Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decades Challenge. Je me suis rendu compte que Al-Bayroun, il avait squatté son lit, enfin son nouveau lit, donc c'est parfait. Oui, bah tu peux te lever, hop, et tu te lèves. C'est bien. En fait, ça sera ta chambre de jeune homme, tu vois. Arrête avec ton téléphone! Il est 5 h du matin, tu vas te coucher. Ah non, commence pas à m'enquiquiner. Toi, parce que. Mais avec leur lit, ça va pas, quoi. Ton lit, c'est celui-là, Arthur. À un moment donné, on vous fait réclamer un lit, c'est pour aller dans votre lit associé, quoi, et pas le lit du voisin. Et lui, il a envie d'aller dans le buisson. Mais non, c'est moi pas, non. Je veux voir les chiottes. Ça, toi, tu veux quoi? Tu veux bouffer du bar grillé dès le matin? Pour la laine de la journée, c'est parfait. Et Alberoun, il a besoin de se divertir un petit peu. Hein. Je sais pas, tu fais quoi? Non, ça n'existe pas, mon petit. Bah, va manger. Tu peux pas prendre l'avion? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il m'épuise, ces Sims m'épuisent. Parce que lui va dans le frigo, donc forcément, ça veut dire qu'Albert il peut pas. C'est compliqué la vie. Tu vas nettoyer et tu vas manger. Pierre-Nard, il est déjà debout. Bah oui, bah tiens. À se coucher comme les poules. On est debout rapidement. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux danser? Ah mais arrêtez, hein! Tu sais quoi? Tu vas aller faire un petit. Non, tu vas pas crier des mots interdits, tu vas me faire un petit jogging dès le matin. Allez. Tu vas aller courir en costume? En costume. En costume. En costume. Trois pièces. Donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour d'automne. Voyez. Il fait frais, c'est partiellement nuageux. Et prévision d'aujourd'hui mystérieuse. D'accord. Ça ne lui dit rien qu'il vaille. Donc il est parti courir. On est au P. Albert, il fait la vaisselle. Albert, on a encore le temps pour qu'il. Oui, on a encore le temps pour qu'il grandisse. Hein. On a encore largement le temps. Non, parce que je suis pressée, parce que pour Louise, par contre, c'est dans 4 jours. Et madame sera madame, justement. Il faudra lui trouver un mari. Donc ça va être des dates pour trouver son futur prétendant. On est dimanche, on va inventer. On va inviter tous les garçons qu'elle a dans son répertoire pour voir ce qu'il en est. Germaine a très faim. Ben Germaine, faut le dire. Au lieu de venir râler là. Counasse! Tu viens et t'ouvres le frigo et tu dis: j'ai faim! Donnez-moi à manger, maman, il faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. De toute façon, maman, elle dort là. Elle s'est couchée à pas d'heure, donc un problème de lessive, d'habitude. Bon bah il pleut. C'est au moins ça de fait. Il y en a un. Il pleut à peine que c'est déjà rempli dans la pelouse, quoi. Danse. Non, non, tu vas recourir, mon petit. À mon avis, tu n'as pas assez couru. Après, tu rentreras. Tu prendras un petit bain. Tu iras en faire un petit pipiou. Et tu vas manger. Voilà, ça se fait ton programme. Il est pas mal. La petite, elle mange. Oh putain, elle pue la petite. Toi, tu vas illuminer la journée de tes frères. Tu vas leur faire des compliments aussi. Complimenter. Les complimenter. Ah! Joséphine sort de son trou. Pour regarder sa fille, bah oui, bah non, mais tu peux manger aussi, tu peux faire ta vie. Du bar grillé pour le petit-déj, moi je vous dis, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et tu vas dire à ta maman qu'elle est belle aussi. Hop! Toi aussi. On va complimenter tout le monde. On améliore les compétences. Parce que j'ai tendance à l'oublier dans cette partie, vu que il y a trop de gamins, beaucoup trop de gosses.
Voilà, j'arrive à m'en sortir avec 7 gamins et un seul adulte. Donc je vois pas pourquoi, parce que là, il y en a que 5 que j'aurais du mal. Oui, mais parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut aussi pour les améliorer. Ok, donc toi, tu sais quoi? Tu vas essayer de faire à manger aussi, servir le petit déjeuner. Des œufs brouillés. Tu feras... Tu deviendras une femme responsable. Le divertissement, faut vraiment le remonter pour Louise, parce que là, ça va pas du tout. Tu vas se détendre avec la musique classique, c'est parfait ça. Albert, toi aussi, ça va pas, mais toi, t'es créatif et on va acheter ton piano. Pardon. On va lui acheter un piano. Right now. Right here. Right now. Je vais peut-être reprendre un autre truc pour chevaler. Pour la petite là. Enfin, pour la petite. Genre là, comme ça. Vue sur le jardin, ça pourrait être pas mal. Un petit piano. 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 Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de piano, donc je sais plus à quoi il ressemble. Hein. Un appareil photo? Non. Oh oui, allez, piano. Piano, titille-moi. D'accord. Mais c'est un piano que je sais pas. C'est pas celui-là que si, d'habitude on a. C'est moi qui est vraiment. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de piano, donc effectivement. Eh ben c'est super. En plus, il est en bois. Par contre, niveau place. Je l'avais dit que ce serait un peu petit. On va bouger ça. Pour l'instant, je vais le mettre là. C'est... Franchement, c'est archi juste. Bon, il peut mettre son piano ici. Ah! Et on va mettre le chevalet. On peut mettre le chevalet. Ouais. Enfin, je vire la grille parce que j'aime pas ça. Est-ce que c'est joli? En même temps, on n'a pas trop le choix. C'est minuscule, hein. Le problème, c'est que le piano, il prend tellement de place. Ah, c'est pas celui-là que je prends d'habitude de piano. Je suis bigleuse, hein. C'est pas celui-là non plus. De toute façon, on n'y a pas accès. Non. Ah oui! Ça, j'avais dit que je le prendrais pour que ce soit Louise. Regardez les trucs d'eau qui tombent. C'est Louise qui va se mettre à faire des petites bouquets de fleurs. On va mettre ça là. On va bouger un peu les trucs pour faire de la place sous le petit machin. Alors, quel... Petite couleur, on va lui faire. On va faire naturel comme ça, on va pas se casser les pieds. Et aussi, effectivement, pour que Pierre Nard il ait quelque chose à faire de sa vie, on va prendre la ruche. Genre la ruche, on va la mettre au bout du jardin, quoi. Parce que moi j'aime pas les abeilles, ça me fait flipper. Oh putain, elles sont où les ruches? C'est peut-être pas dans compétences. Ah, on pourrait prendre le bar, hein, d'ailleurs. C'est peut-être un peu tôt pour reprendre avoir un bar. Est-ce qu'on prendrait pas un violon? Voilà. Ça va être vraiment la petite salle d'art. Tranquille. On va chercher la ruche. Ruche. Mais il y en a deux des ruches. Rucha, non, rucheux. Ah oui, ruche de Rémi, donc en fait, oui, il n'y en a qu'une. Ah, c'était un truc d'extérieur. Ah, excusez-moi. Alors, on va la mettre au bout du jardin, j'avais dit. Genre là, quoi. Un peu excentré, peut-être en dessous des arbres. Comme ça fera un peu naturel. Et on va faire le petit. La petite machin. La petite combine pour tourner comme on veut, hein. Je vous rappelle que pour faire ça, il suffit de changer, mettre en caméra Sims 3 au lieu de caméra Sims 4. Pour pivoter les objets à votre convenance. Et alors, quelle couleur? J'aime bien ce qu'il fait déjà rustique, le truc. Il fait pas très moderne et c'est ça que je trouve cool.
Ça colle parfaitement à l'univers du Tikadé. Bah, je vais laisser dans cette couleur-là. Je trouve ça pas mal. Et il y avait un abri bois ou... Oui, alors ça, je vais dire tac. Un abri. Non, ça s'appelle pas comme ça alors. Mince. Est-ce que ce serait pas ça? Quelque part là-dedans. En fait, il y avait comme un... Non, 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 c'est dans construction maison, je crois. Un truc où on peut mettre un truc où on peut mettre des trucs. Parce qu'on peut pas s'asseoir dessus, donc je pense que c'est là-dedans. Peut-être ça. Je ne suis pas sûre. Ah oui! Ça, c'est beau, ça. On va attendre un peu, genre, comme si Louise, elle faisait des compositions, et au bout d'un moment, on va lui acheter ça, comme si c'est elle qui l'avait fait. Alors, c'est un peu ce genre-là, mais d'un seul tenant, et ça vient du pack de la jungle. Bien sûr, c'est au moment où je veux le trouver que je ne le trouve pas. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh ben mince. C'est pas ça non plus, hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ah, peut-être... Bah non, c'est là où j'ai déjà regardé. Mais... D'où? Eh ben c'est pas grave, on va faire ça comme ça. On va acheter des trucs de compétences et puis voilà. Alors mon petit Albert, est-ce que tu finis ton bar? Eh ben c'est parfait, après tu vas t'entraîner au piano. La petite, elle pue encore. Oh là là, Joséphine. La petite, ça va pas, hein. Tu vas illuminer sa journée et tu vas aller la... Tu vas lui donner un bain. Parce que là... C'est fou. Pourquoi elle pue comme ça autant? Bah, Joséphine, faut que tu reprennes ton rôle de mère. Hein. Et puis après, tu vas lui apprendre à aller au pot. Alors, non. Toi, je te sens venir. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle a? Se détendre dans un sauna. Oui, mais non, cocotte. Tu vas prendre la cuisine, déjà. Lui, il s'exerce au piano. Pour l'instant, c'est pas terrible. Alors, Pierre-Nard, qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves? Va pisser. Je t'avais dit peut-être d'aller pisser, je sais plus. Tu vas aller faire pipi. Les feuilles commencent doucement à tomber sur l'automne. Tu vas admirer ton nouveau bien déjà. Tu vas déranger, mais tu ne te dis que rien. Nouer des liens avec les abeilles. Par contre, c'est dommage, on voit pas les arbres. On va faire une petite abeille comme ça. On est assez loin de la maison pour pas qu'elle vienne nous emmerder. Parce que moi, j'aime pas ça. Je suis un peu phobique des bestiaux comme ça, moi. Donc, Alors, Gustave, est-ce que tu as fait cette foire? Ça, tu vas faire du travail supplémentaire. Arthur, c'est pas même. Tu vas faire aussi du travail supplémentaire. Ouais, tu dois pisser, bien sûr. Lui, il fait jamais comme tout le monde. Il faut toujours qu'il ait un truc... Ah ouais, mais non, moi, je dois pisser, hein, quand même. Va pisser. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Réagir à la première neige, mais on est en automne. Oh la vache. Mais on a le premier jour d'automne, il neige. Mais c'est... on est en automne, les gars. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Oh, la vache! Il neige! Mais what? Ah, franchement, je m'attendais pas à avoir de la neige direct. Après, ça arrive, effectivement. Hein. Oh, c'est trop cool! Ah, le pack saison, ça va vraiment changer le gameplay de fond en comble, quoi. C'est génial. Je comprends pourquoi les gens étaient si happy d'avoir les saisons. Mais t'as été voir les abeilles, mon gars? Nouer des liens avec les abeilles. Allez! Ah, du coup, il a mis sa tenue... la tenue qui de froid. Qui est donc le haut et le bas, je crois. De toute façon, c'est du pack saison. Vous pouvez admirer. C'est le seul truc qui pouvait coller au Decade. Je me suis dit, why not? Il n'est pas censé avoir froid, donc on va le voir interagir avec les abeilles.
Waouh! Quelle horreur! Moi, avoir autant de machins comme ça qui font bzz bzz autour de moi, je pète un boulard. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Allez voir la ruche. Oui, de toute façon, on n'aura pas de miel maintenant. Hein. Tu vas renouer et puis voilà, au moins au printemps pour avoir du miel. À foison, je pense. Alors, on en était où? On en était. Joséphine, tu t'occupes de la petite, tu lui as pas donné de bain, d'après ce que je vois. C'est génial. Tu vous faites tellement ce que je vous demande de faire. C'est génial. Soin donné au bambin. Un bain de mousse. On était avec Louise. Ah, Louise, elle a mis sa tenue de froid. Ah, putain, mais elle doit tellement s'occuper. L'esprit, ça va pas du tout. Lui, il s'éclate avec le piano. Faut pas vous perdre. Louise, elle aime bien la musique quand même. Hein. Contrôle des émotions. Bon, ça va. Ah, par contre, elle est méchante. Phase de l'enfance, méchanceté. Ah oui, c'est vrai, elle avait une phase. Bon, bah, ça va aller mieux. Et puis, on va lui faire faire un petit bain de mousse après. Pour lui remonter un peu le moral. Regardez comment ça lui va trop bien cette tenue. C'est trop trop beau. Et regardez l'état de mes plantes. On n'a plus là, mais on a ça. Les plantes fruits du dragon. Vas-y, tu vas faire des recherches et tu vas entretenir le jardin. Parce que c'est ta mission, hein? C'est ton projet, comme diraient d'autres. Louise, alors elle est joueuse, mais ça remonte pas forcément son divertissement. C'est génial. Créer une composition. Chrysanthème ou jacinthe marguerite. On va te faire une marguerite. Ah oui, ça faut payer. Ouais, c'est pas grave. On va lui faire faire une petite compo. Commencer à voir comment ça fonctionne et si ça lui plaît aussi, parce que là, le divertissement, ça va pas du tout, quoi. Donc on verra bien. Je croise les doigts. Elle est en train de faire. Oups! C'est pas ce que je voulais faire. Elle est en train de faire sa première composition. Pas sûr que ça la divertit des masses. Hein. Aucune plante n'a besoin d'être entretenue. Bon, bah d'accord. Frais et venteux. Oh bah, d'accord. Elle a éternué dessus. Tu nous diras si ça te plaît ce que tu fais, Louise. L'orbe. Puis faut vraiment, 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 parce que ça lui remonte pas du tout le divertissement, que je lui remonte ça, parce que ça va péter un boulard, la pauvre. Un petit peu de poudre de perlimpinpin pour rendre la composition jolie. Vas-y. Juste pour voir ce que ça donne. Elle va mourir d'ennui, quoi. Voilà, elle a fait sa petite. Non, alors attends. Contempler. Alors tu vas contempler. Tu vas ajouter un vase. C'est joli! Un vase fait de l'hiver, un vase nid d'oiseau. Ajouter un vase pas étanche, paillettes roses. Plus de choix. Un vase printanier, un vase noir, un vase hivernal, un vase estival, un vase en céramique cuite. Voilà, c'est ce que. Bah, pourquoi pas, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais. Arrête avec ton téléphone. Ah, contempler, ça l'a fait quand même remonter un petit peu, tout petit peu son truc. Compétence 3 pour Albert et le piano. Ah, super. Eh ben, tu vas le mettre dans l'inventaire, s'il te plaît. Et puis nous, on l'installera. J'ai envie de l'installer dans la maison. Si c'est possible. Genre ici, sur la table de cuisine. Ben ouais. Oh, c'est joli. C'est vrai, en plus, franchement, c'est joli. Ah ouais, c'est génial. Et du coup, elle peut faire quoi? Prendre une photo, hein? Ajouter un. Ouais, donc on peut. Et par exemple, Joséphine, elle va dire la même chose. Ok. Bon, ça, c'est fait. Petite Louise, tu vas te détendre absolument. Tu vas aller aux toilettes aussi. Tu vas aller aux toilettes. Et puis, je sais pas. On va te faire contempler, c'est pas ce que je voulais faire, c'était ça.
Tu vas contempler toutes les toiles que t'as faites. Si ça peut te remonter un peu le moral, ce sera pas mal. Est-ce que tu peux contempler aussi? Non. Tu peux contempler aussi ici. Voilà, tu peux contempler ça. On sera bien. Elle est complètement en train de péter un boulard, mais bientôt l'anniversaire de Germaine! Yeah! On pourra voir à quoi elle ressemble en étant enfant. Et elle a tout cassé. Bernard, faudra réparer le toilette. Et célébrer l'anniversaire d'Arthur! Ah oui! Oh, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Il y a beaucoup trop de choses. Ça ne va plus! Ça y est, il y a tous les mâles qui viennent voir la petite Louise. Vu que je leur ai demandé de passer. Elle en a de plus ou moins à qui elle est proche ou pas. Donc, nous avons Lucas. Avec qui elle est plutôt copine. Amie même, paraît-il. Nous avons David. Je crois que c'était Henri. Mais non, ce n'est pas lui. Il lui met la journée. Il y a lui, Sébastien. Flirter. Tu peux pas lui parler. Mais t'as toujours pas lavé la petite? Mais c'est sérieux. Et elle est complètement pétée, la Joséphine aujourd'hui. Complètement. Pas dans le sens alcoolisé, mais complètement pétée de la tête. Alors, pour l'instant, elle a deux petits blonds qui viennent lui compter fleurette. Il y en avait un autre, normalement, hein. Je sais pas trop. Ah, il y a des feuilles qui sont déjà tombées des arbres. Regardez. Ratisser les feuilles. Oh, trop drôle. C'est trop sympa. Je sais pas pourquoi mon jeu, il ramouse un petit peu d'un coup, là. Tu vas éliminer la journée. Ah ouais, mon jeu, il rame. Il y a trop de sims. Oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. S'extasier sur le fait de devenir adulte. Alors c'est un peu des frères, c'est ça? C'est petit et petit. Voilà, c'est des frérots. Alors, ils ont un peu des têtes un peu bizarres. Normalement, je pense avoir relooké les deux, mais il y a peut-être que lui, parce que c'est lui qui avait grandi, je crois, et... ou je sais plus. Non mais tu vas pas... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses devoirs. Tu vas te renseigner sur la carrière, j'en sais rien. Moi, il y en a un qui bosse, de toute façon. Faire connaissance. Arrête d'aller dans tous les sens! Tu me stresses, Louise, sérieux. Oh, putain. À se lever, s'asseoir, machin, à discuter sans intérêt. Illuminer la journée. Alors, moi, je voulais voir leur tête. La composition florale est bien fichée. Alors. Beaux yeux vert bleu vert. Ouais. Ok. Et l'autre, il est où? Il est là. Lui, il a un problème de menton. Ou c'est moi qui... Bah, il est quand même mieux l'autre. Hein. Non? J'arrive pas trop à... Et moi, je suis gouré de touche. Bon. Sinon, j'ai quelques jours avant de la caser. T'as lavé la petite? Allez, la ptiote, tu vas aller sur le pot, direct. Après, tu vas bouffer. Elle va très vite, la petite, là, elle est à fond. Après, tu vas manger. 20h, après, tu iras te coucher, effectivement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle va jouer. Ah bah oui, en plus, non, mais c'est pas toi qui va aller jouer, on va faire jouer Louise. Toi, tu vas faire autre chose, mais tu vas pas faire ça. Ah bah il est là, le dernier. Mais t'en avais invité un en plus, là. Je sais pas pourquoi il y a moins de monde, d'un coup. Pourquoi il discute qu'avec Arthur, il est peut-être homosexuel, hein, je ne sais point.
Mais tu lui, il a pas, il a aucune chance là si tu discutes pas avec lui. Se plaint de choses. Ah, oh, il fait beau, quelle horreur. Tiens, si tu t'ennuies, Joséphine, t'as. Putain, mais t'as plein de choses à faire, Joséphine. Hein. Tu as kiffé faire le ménage, de toute façon. Ah, mais oui, il y en a un autre qui est là. C'est celui qu'elle avait dragouillé un petit peu, là. Il est là. Voilà. Taquiner à propos du visage, c'est toujours sympa. Mais on va pas faire ça. On va être complimenté. Oui, il est pas mal, hein. Oui, il est pas mal. Et celui-là. Ah, excusez-moi, hein, je mets trois plombes. Ouf, non, il est pas si beau que ça, celui-là. Ah oui, on va compter fleurette avec tout le monde, faire connaissance. Parler de la température très chaude. Oh, il fait chaud ici. Tout c'est mal, ça me rend chaude et ça me rend toute chaude. Quelle chaudasse! Mais mon jeu, il rame quoi, c'est affreux. Ouais, il y a trop de sims. Ah, il y a quelque chose là, il y a un truc qui s'est passé. Non, c'est la petite. C'est la petite. Tu vas sûrement pas faire des conneries, oui. Tu dois manger. T'as pas mangé? Parce qu'après, ils ont tendance à mettre les assiettes un peu nawak aussi, donc. Bah, je sais pas. Oh, il y a déjà le panier à linge qui est. Ouh là là, franchement. Tu vas manger, cocotte. Dès que tu te réveilles, hein. Ah oui, ça ramouse un peu quand même. Voilà, tu vas discuter avec lui quand même. Comment s'est passée la journée? Faut leur donner une chance à tous. Tu vas complimenter. Lui, tu vas le refaire revenir dans le game. Arthur! Faudrait pas qu'on t'oublie, hein. Arthur, il va devenir ado. Joséphine! Bon, déjà, il y en a un qui va aller se coucher. Il est 21h, gars, tu crois vraiment? Putain, Pierre-Nard, 7 jours! Oh là 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 là! Pierre-Nard, il aura à peine connu l'automne, qui va être vieux en hiver, surtout. Pierre-Nard, tu vas. Non, tu vas pas te coucher. Oula! Putain, il y a. Joséphine, t'as beaucoup de choses à faire. Tu vas aller aux toilettes. Déjà. Joséphine, et demander à l'accueil. Joséphine, c'est bon. Mais elle faisait quoi? Va prendre un bain de mousse, la meuf! Eh, je vais la tuer! Bah, tu vas pas nettoyer, hein! Idiote! Tu vas faire une lessive! Tu vas fouiller les poches, tu vas faire la lessive dans la bassine. Oh non, mais elle, tranquille et mille, quoi. Vas-y, j'ai plein de taf, la maison c'est le bordel, mais je continue quand même. J'ai cru qu'il y avait une odeur verte. Non, mais. C'est toujours pas sec, hein, par contre. Ouh là là! Ça, c'est la tenue d'été! Il fait chaud maintenant! Attends, il a neigé tout à l'heure. Mais what? Dans la même journée ici, il fait chaud, il fait machin. Ah oui, non, mais. Ouais, mais non, en fait, j'avais besoin de toi, il faut que tu fasses un gâteau. Je suis complètement zappée. Il va faire un gâteau blanc. Allez. Toi, tu te tais. Ah, mais c'est le bordel complet, je vous l'accorde. Il y a trop de sims, il y en a qui en a partout. J'ai 40 000 projets de dingue, mais bon. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu peux pas faire tes plantes? Entretenir un jardin Tiens, est-ce que tu peux faire des recherches? J'en sais rien, moi. Fais des recherches. Fais des recherches, voilà. Fais, occupe-toi! Occupe-toi, Pierre-Nard. Ouais, ça me fait du linge en plus, mais bon. On va faire l'anniversaire, il est déjà parti se coucher, lui. Toi, tu peux te laver aussi. Arthur, tu vas aller aux toilettes plutôt. Je dois vraiment y aller, c'était super sympa. D'accord, mais ils s'en vont tous. Et il fait très chaud. Non, mais ce matin, il faisait quand même. Il y a eu de la neige, quoi. Je dis ça comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est un peu les giboulées de mars, mais en automne.
Est-ce que tu aimes bien celui-là? On a raconté une histoire délicieuse. Tu t'en vas aussi? Lui, il fait son truc. Elle a mangé, ça va. Elle est revenue quand même bien. Ça ramouse un peu quand même, hein. Ouf, alors. T'as fait ton gâteau? Yeah! Ah, ça c'est bien. Tu vas pouvoir mettre tes petites bougies d'anniversaire. Pierre-Nard a fait des recherches sur le fruit du dragon, d'accord. Ouais, et du coup, il est malveillant. Oh bon, c'est pas cool. Sachant que elle est bonne, quoi. Enfin, elle est bienveillante ou un truc dans le genre. Voilà, soignée, bienveillante, très famille. Voilà, phase de méchanceté. Voilà, tout quand même pas mal, hein. Mais, en tout cas, dites-moi votre avis si vous voulez savoir quel est le futur amoureux de la demoiselle. Putain, tu vas faire une lessive directe, hein. Tu vas faire fouiller les poches, faire la lessive dans la bassine. On va pas attendre notre reste, hein. Toi, tu vas souffler les bougies. Et comme ça, on va avoir notre troisième ado avec Arthur. Alors j'ai hâte de voir sa bouille parce que franchement, en étant enfant, c'est pas le roi de... Arthur part faire une phase. Mais souffle tes bougies, idiot. Entre dans une phase. Mais tu vas rentrer une phase adolescente, oui. C'est pas possible ça qu'ils font pas ce que je leur demande. Toi, tu peux aller t'occuper. Voilà, c'est bien. Tu vas jouer au Jenga, là, je sais pas quoi. Yeah! Happy birthday! Attention! Ah ben on voit pas sa tête. On voit pas sa tête. Hey, il a gardé des lunettes, c'est trop drôle. Alors on l'avait mis joyeux. Arthur, Arthur, Arthur. On pourrait faire quoi? Vu qu'on a fait la Louise très famille, Albert artiste. Arthur connaissance? Érudit en archéologie. Ah, si seulement. Faut cultiver Emmanuel. Peut-être ça. Alors, il est joyeux. Il est joyeux et il sera. Bah, rat de bibliothèque, du coup, hein. Avec ses petites lunettes, ça lui ira très bien. Alors, quelle bouille il a. Bon, par contre, sa coupe de cheveux, ça va pas du tout. Mais. Ouvre les yeux! Voilà. Ouais. D'accord. D'accord. Par contre, t'étais un petit peu rondouillé aussi, hein. Bon, j'ai besoin d'un looking. Je suis pas sûre de le trouver mignon. J'avoue que je ne sais pas du tout. Là, c'est la compréhension. Mon cheveu, il rame. Est-ce que c'est à cause des saisons? C'est quand même un putain de PC récent. Assez fort quand même, donc je suis un peu. Je sais pas. Bon. Quoi qu'il en soit, t'as une tenue, mon gars. Tu vas y courir pour te vider l'esprit deux fois, tu vas y perdre un peu de poids. Même s'il fait très chaud, on s'en fout. C'est venteux, donc. Ah non, il fait frais maintenant, d'accord. C'est la logique même. T'as la même tenue pour courir et pour dormir? Oh, une demoiselle! Qui est-ce? Marina Perrin. Marina Perrin. Ouf, putain, elle est musclée. Et c'est une adulte. Bon, bah tant pis. On pourra pas la draguer. Louise, elle est en train de jouer. Au moins, ça l'a fait remonter son petit. Voilà. Oh, la tenue de Wesh! Ah non, il a une tenue de Wesh quand il court! Ah, oh, quelle horreur! Bernard, il est. Pourquoi il a des. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Ah, c'est trop ouf. Va manger, Pierre-Nard, du coup. Et puis, on est bien là. Elle fait encore sa lessive. Tu t'ennuies? Oui, bah écoute. J'y peux rien, moi, si vous ennuyez tous. Par contre, il sèche pas mon linge, hein. Immaculé, humide. Ah, humide, donc il va peut-être pas tarder à sécher. Vu que. Bah non, il fait frais maintenant.
Ouais, putain, mais c'est n'importe quoi. Il a neigé, après il faisait super chaud, et maintenant il fait frais. Bon, c'est la logique. La météo des Sims, à mon avis, ça sera tout le temps comme ça. Ça lui remonte le moral de regarder ses plantes. Ta première composition florale. Tu vas illuminer la journée de ta fille. Tu vas la complimenter. Et tu vas lui faire un peu des petites blagues. Tu vas faire des grimaces. Ça va lui remonter le moral aussi. Une conversation profonde. Et encore une petite blague. Voilà. Comme quoi. Drôle. On va faire aussi des grimaces. Toi aussi, Gustave, tu vas lui faire des grimaces à ta sœur. Tu vas la complimenter déjà. Et faire des grimaces. Parce que ça remonte toujours le moral de faire des grimaces. Ah, elle est verte maintenant en divertissement. Bon, ça a tendance à descendre, mais c'est au moins ça. Ouais, ça remonte bien. T'iras nettoyer ça. Et t'iras ranger le gâteau. C'est bien, Gustave. What's the boo? What the food is tea? Bon bah Pierre-Nard, il va bien lui, il va finir de manger. Sa femme, elle est toujours en train de faire la lessive. L'enfer. Bon bah je sais pas, mon jeu il rame encore, hein. Non, pas du tout cette histoire, ça me plaît pas. Elle en met du temps. T'iras manger. Pisser. Et dormir. Je pense que là, le programme, il est pas mal. Ouh là là. Ma pauvre Joséphine. Tu ne sais plus où donner de la tête. Bon, moi par contre, j'ai un souci de PC. C'est assez horrible. Hyper saccadé, donc j'espère que. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Alors vous avez bien vu qu'au début ça marchait très bien. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde est couché. Ah bah non, il y a le wesh. Mais. De quoi. Il est où lui? Oh la tenue! Mais où est-ce que c'est ça? D'accord, il y a des trucs qui spawnent ici. Mais tu vas rien demander en boisson, Arthur, tu te crois où? Tu rentres à la maison? Déjà, nous aussi d'ailleurs, parce que là je sais même pas où on est. Voilà. Et puis tu vas aller te coucher. Tu vas prendre un bain et après tu vas te coucher. Arthur, ton lit. Mais! Mais il se passe quoi avec les lits? Au pire, tu peux prendre ce lit ici, cocotte. Tu vas le réclamer, tu vas dormir dans ce lit de grande fille. Mais arrêtez, c'est très bizarre là, le frère et la sœur qui dorment ensemble, non. Arthur, c'est ton lit ici, tu vas dormir là. Ou ah, puis il y a des fringues partout. Enfin, la meuf, elle vient de faire la lessive et il y en a encore partout. Tout va bien, tout va bien. Un petit peu de voyeurisme. Voilà, Arthur dans son bain. À vous de me dire si vous le trouvez beau ou pas. Bien sûr, pour le prochain épisode, je l'aurai relooké. Et il roupit à moitié dans son bain, donc. Voilà. Et oh, ah oui. Et après, tu pourras aller te coucher. Allez, vas-y, d'ailleurs, parce que tu m'énerves. Là, il commence à être tard, c'est 4 h du mat. Va au dodo. Et franchement, au niveau des lits, c'est du grand nawak, hein. Il n'y en a aucun qui va dormir là où il faut. Le ramage, quoi! Allez, ok, moi c'est là-dessus que je vais donc vous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée pour le ramage intensif. Je vais de toute façon voir ce qui va pas et compagnie. Je vous embrasserai fort. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine pour le prochain épisode du Dedicated Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!